titre de ma prédication ce matin est « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Dis à ton frère à côté de toi, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Il y a une deuxième personne, « Ils te feront la guerre. » C'est ceux qui te font déjà la guerre. C'est ceux que tu es en plein combat en ce moment dans ta vie. Mais j'ai une bonne parole pour toi, une bonne nouvelle pour toi. Ils ne te vaincront pas. Alors, le passage duquel est tiré mon titre, du moins ce titre de ce message, est Jérémie chapitre 1, verset 19. Jérémie chapitre 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Ce passage, c'est vrai, a été donné dans un contexte assez lointain de l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, mais il est d'actualité. Vous savez, la parole de Dieu, toute la parole de Dieu est utile pour convaincre, pour enseigner, pour instruire, pour édifier, pour encourager, n'est-ce pas? Donc, même l'Ancien Testament, quand vous lisez, il y a des paroles qui ont été adressées au peuple de Dieu, à des circonstances bien particulières, qui nous parlent encore aujourd'hui. C'est pour cela que je suis parfois un petit peu choqué de voir que certaines personnes sont tellement accrochées à ce qui est écrit et ont du mal lorsque on s'approprie la parole de Dieu, qu'on la contextualise, qu'on la prend pour nous aujourd'hui et qu'on parfois on peut remplacer certains mots des Écritures. Hein, moi, je me souviens des psaumes de David, quand je les lis parfois, je suis poussé par l'Esprit à remplacer par mon prénom, en fait. Et c'est vrai que certains théologiens ou certaines personnes qui sont tellement attachées à la lettre vous diront, on n'a pas le droit de changer ne serait-ce qu'un seul iota de la parole. Mais ce qu'ils savent, parce que le iota qu'ils appellent iota, que la Bible appelle iota, en fait, en grec, le iota, c'est la plus petite lettre de l'alphabet grec, la neuvième. Ça veut dire qu'il faut qu'on retourne dans l'ancienne traduction grecque, que nous tous, nous ayons des Bibles grecques. Parce que sinon, toutes les Bibles qu'on a aujourd'hui ont été changées, en fait. L'alphabet que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas l'alphabet grec, en fait, c'est l'alphabet français. Enfin, français, autant pour moi. Donc, quand on lit la parole de Dieu, on n'a pas à rester attaché à la lettre que tu. On doit se l'approprier. On doit faire de la parole de Dieu notre parole du jour. Et que la parole de Dieu soit vivante en nous. Alléluia. On doit rentrer dans la parole. On doit la vivre. On doit être même le personnage et l'acteur principal. Alléluia. Et à partir de ce moment, la parole de Dieu vous parle. Donc quand je lis ce passage, il me parle énormément. Et certainement, il te parle aussi à toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Nous sommes sur cette terre, mais nous vivons dans deux mondes parallèles. Vous me comprenez? Nous sommes ici-bas, mais nous vivons dans deux mondes parallèles. Jésus l'a dit, il a dit, je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes enfants de Dieu, membres de la famille de Dieu, nous sommes nés de nouveau et la nouvelle naissance nous a donné accès au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est une sphère où règne la présence de Dieu et où sa volonté doit être respectée et accomplie. Le royaume de Dieu, c'est aussi la personne du Saint-Esprit. Quand Jésus dit « le royaume de Dieu est venu au milieu de vous », en fait, il faisait allusion au Saint-Esprit. Donc, lorsque nous naissons de nouveau, par l'action du Saint-Esprit, nous sommes nés de l'Esprit, nous sommes engendrés par l'Esprit de Dieu, nous rentrons dans ce royaume, comme Jésus l'a dit à Nicodème, et nous prenons part à toutes les réalités spirituelles qui concernent ce royaume, qui, en fait, caractérisent ce royaume. Cependant, ces réalités sont spirituelles, comme je l'ai dit, et ce royaume est spirituel, n'est-ce pas? Mais nous sommes physiquement des êtres charnels. Et on l'a déjà vu ici qu'en réalité, notre vrai nous, ton vrai toi, mon vrai moi, ce n'est pas le corps ni l'âme, mais c'est l'esprit. Nous sommes esprit, nous habitons dans un corps et nous possédons une âme. Voici ce que nous sommes en réalité. Et en tant qu'esprit, nous appartenons au monde des esprits de Dieu. Dans le monde des esprits de Dieu, il y a Dieu lui-même, il y a le Fils, Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit,
Il y a les anges qui sont des esprits de Dieu au service de ceux qui hériteront du salut. Il y a les esprits des justes parvenus à la perfection, l'esprit d'Abraham, des prophètes et autres qui ont vécu et qui sont parvenus à la perfection. Et puis, il y a nous également qui sommes des esprits des justes qui sont encore vivants et qui ne sont pas encore parvenus à la perfection, mais qui travaillent pour parvenir à cette perfection, comme l'apôtre Paul l'a dit, je n'ai pas encore atteint le but, mais je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste en Christ Jésus. Je ne vais pas achever la course, je ne suis pas parfait, mais je tends vers la perfection. Nous sommes ces esprits-là, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Par la nouvelle naissance, nous devons retrouver cette nature que Adam et Ève ont perdue dans le jardin d'Éden. Nous sommes à nouveau recréés, nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle création à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et la Bible déclare que si quelqu'un est uni au Christ, il devient un seul esprit avec lui. Donc, nous sommes un seul esprit avec Christ. Nous avons la nature de Dieu. Nous sommes donc des esprits sur la terre. Et l'ensemble de ces esprits habitent un monde des esprits qu'on appelle le royaume de Dieu. Mais de l'autre côté, il y a également un autre royaume qui est habité par d'autres esprits qui ne sont pas de la même nature que nous. Ces esprits sont premièrement des esprits des anges déchus, avec pour chef Lucifer, qui a entraîné avec lui le tiers des anges lors de la révolte dans le ciel. En dehors de ces esprits qu'on appelle encore les démons, je vous parlerai d'eux tout à l'heure, il y a les esprits de ceux qui ne sont pas nés de nouveau, il y a des esprits du vieil homme, de la vieille nature, de l'homme naturel, de l'homme animal, qui composent un autre monde des esprits qu'on appelle le royaume des ténèbres. Nous sommes les enfants de lumière, donc nous sommes les enfants du royaume de lumière, et eux, ils sont les enfants du royaume des ténèbres. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans deux mondes parallèles. Et la vie chrétienne n'est pas composée que de paix, de joie, de justice par le Saint-Esprit. Si ce n'était que ça, si ça ne dépendait que de Dieu, en fait, on serait déjà au ciel. Mais nous vivons sur cette terre, comme Jésus l'a dit, il voulait nous laisser dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, avec ses réalités, ce monde avec ses réalités. Et Dieu nous fait la grâce, chaque jour, par le Saint-Esprit, de vivre cette paix, cette joie, par le Saint-Esprit, dans ce monde qui n'est pas un monde facile et qui ne nous fait pas toujours que des cadeaux. Pourquoi ? Parce que la Bible déclare que ce monde dans lequel nous vivons est sous la puissance du malin. Ça veut dire que ce monde est gouverné par le royaume des ténèbres et les fils du royaume des ténèbres. Il n'en était pas ainsi au départ, lorsque Dieu nous a créés. Le but de Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, était que l'homme gouverne la terre, domine la terre et peuple la terre, la sujettisse. Vous connaissez l'histoire, à cause du péché d'Adam et Ève, les pouvoirs ont été inversés. La Bible déclare que l'on est esclave de celui qui a triomphé de nous, de ce qui a triomphé de nous. Le diable a triomphé d'Adam et Ève dans le jardin, donc ils sont devenus esclaves du diable. Et à travers eux, l'humanité entière, l'être humain est devenu esclave du diable. Et donc le monde entier a été soumis à la puissance du diable, du malin. C'est pour ça que c'est le diable qui règne sur la terre. Ce n'était pas ça le plan initial de Dieu. Il a dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au fils de l'homme, à l'homme, à toi et à moi. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, c'est l'être humain naturel qui règne, c'est le diable et ses fils, ce prince de ce monde, qui règne sur la terre. Et vous pouvez vous imaginer, ils ne nous feront pas de cadeaux. Au contraire, ils nous feront la guerre. Parce que leur maître Satan ne nous aime pas. Et ne croyez pas que sur la terre, ici-bas, nous en tant que chrétiens, nous sommes tous destinés à
à régner, à devenir président, à devenir ministre, à régner du règne selon lequel certaines personnes aujourd'hui s'estiment être des rois, etc. Parce qu'ils estiment que le règne dont parle la parole de Dieu, c'est le règne de ce monde, le règne financier, le règne matériel, le règne social, etc. C'est vrai que Dieu, dans ce monde, veut élever ses enfants et leur donner des places de choix et les introduire dans des sphères d'influence. Le but pour Dieu, en le faisant, n'est pas que nous puissions sauver le système de ce monde et que nous puissions régner dans ce monde matériel selon l'entendement de ce monde. Vous comprenez cela, hein? Le but pour lui est effectivement que nous puissions régner. Mais le règne dont Dieu parle est un règne spirituel. Un règne qui consiste à amener la présence de Dieu dans tous les endroits où les ténèbres ont régné. Quelqu'un me comprend ici? Un règne qui consiste à amener l'influence du Saint-Esprit dans les sphères où les ténèbres règnent. Mais il ne s'agit pas d'un règne pour prendre le pouvoir de gouvernement politique, économique et financier, quand bien même je sais que Dieu est capable de le faire. Il l'a fait avec Daniel, il l'a fait avec plusieurs personnes, il l'a fait avec Joseph dans la parole de Dieu, et il veut le faire aussi aujourd'hui. Mais ce n'est pas le but premier. Quelqu'un me comprend ici? Le but premier n'est pas le règne matériel, financier, économique, etc., humain. Le but premier, c'est le règne spirituel. C'est pour cela qu'en fait, vous devez comprendre que sur la terre, nous ne sommes pas là en fait pour chercher à gagner les biens matériels, à gagner beaucoup d'argent, à gagner ces choses. Si nous devons les gagner, et si Dieu nous a grâce de gagner ces choses, et si Dieu nous bénit, il nous élève, il nous positionne, c'est simplement pour l'influence, pour amener son règne, c'est-à-dire l'influence du royaume des cieux sur la terre, apporter cette lumière dans les endroits où il y a les ténèbres et révéler Christ dans ces domaines, dans ces milieux où les ténèbres ont régné toujours. C'est pourquoi il a dit que, il a dit dans sa parole, il dit, si les temps d'autrefois ont couvert ta vie de honte et d'opprobre, les temps futurs te couvriront de gloire, n'est-ce pas? Il a aussi dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Donc en fait, vous devez comprendre que le règne dont il s'agit, c'est un règne spirituel, un règne invisible, mais qui peut se manifester dans le matériel par l'influence, par la domination, l'autorité. Je me souviens encore de cet homme de Dieu, que Dieu avait vraiment, ou de façon spéciale, un revivaliste que vous connaissez très bien, Charles Finney, lorsqu'il entrait à son époque, dans son vivant, dans un bus, il n'avait pas besoin d'ouvrir la bouche, simplement sa présence suffisait pour que les gens s'agenouillent et qu'ils tombent sur leur face et qu'ils pleurent sur leur état de péché, qu'ils demandent pardon à Dieu pour leur péché et qu'ils se repentent radicalement, sincèrement et qu'ils donnent leur cœur à Jésus. Il n'avait même pas besoin d'ouvrir la bouche. Et lorsque les gens écoutaient, quand on écoutait les témoignages, quand les gens se convertissaient, les gens qui se convertissaient, certains d'entre eux disaient, en fait, lorsqu'il m'a regardé, j'ai vu d'autres yeux à travers ses yeux me regarder. Et les yeux qui me regardaient à travers ses yeux me transmettaient l'amour et me montraient mon état de péché, de sorte que je ne pouvais pas rester insensible. Et j'ai fondu en larmes, je me suis repenti, je savais que j'étais pécheur et que j'avais besoin de Jésus. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Vous devez savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des esprits, nous vivons dans un corps et nous avons une âme. Ce corps n'est qu'une maison. Et la Bible déclare que ce corps doit être la maison de Dieu, une habitation de Dieu en esprit. Ce corps doit être le temple du Saint-Esprit. Donc si ce corps est une maison, une habitation de Dieu en esprit, ça veut dire que lorsque tu regardes quelqu'un, ce n'est pas toi qui regardes la personne. Tes yeux deviennent des fenêtres à travers lesquelles celui qui est à l'intérieur de toi regarde ceux qui sont à l'extérieur de toi. Donc tu dois faire attention. Et tu dois choisir les choses qui doivent t'habiter. Vous savez, par moments, j'ai juste besoin de regarder quelqu'un et je peux discerner, savoir ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur de toi transparaît à l'extérieur de toi à travers tes yeux, ton expression faciale. Tes yeux deviennent des fenêtres.
les fenêtres de la maison. Ta maison, ton corps. Donc, si comme Jean-Baptiste, tu t'es effacé et que Christ a pris place, lorsque les gens vont te regarder, à travers tes yeux, ils verront Christ. Ils verront l'amour de Dieu, ils verront la paix. Ils ne verront pas la tristesse. Quand quelqu'un est stressé, il est... En fait, quand vous regardez son visage, ses yeux, il panique. Là, il n'est pas habité par Christ. Hein. Il est habité par la peur, par le stress. Quelqu'un me comprend ici? Il y a des gens aussi qui sont sous des oppressions démoniaques ou qui ont des habitations, des possessions démoniaques. Quand vous les regardez, à travers leurs yeux, vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Nous sommes dans un monde parallèle. Et le règne dont Dieu parle, c'est régner sur la terre, c'est influencer par notre vie. Bref, là n'est pas mon propos. Dans ce monde parallèle, il y a des combats. Ils nous feront la guerre. Et ils nous feront la guerre de plusieurs manières. Ils nous feront la guerre à plusieurs niveaux. Il faut savoir que le royaume des ténèbres, qui est parallèle au royaume de lumière, le royaume de Satan, qui est parallèle au royaume de Dieu, le royaume des fils des ténèbres, qui est parallèle au royaume des fils de lumière que nous sommes, est organisé. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous lisons ceci, « Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Dans d'autres versions, on parle des principautés. Donc, vous savez, le royaume des ténèbres est organisé en quatre niveaux d'hierarchie. Quatre dimensions hiérarchiques. Première dimension, les dominations. Deuxième dimension, les autorités. Ensuite, les principautés, qu'on appelle encore les princes de ce monde des ténèbres. Et les esprits méchants dans les lieux célestes. Les dominations, ce sont les pouvoirs, les puissances qui gouvernent le monde. Ce monde qui est sous la puissance du malin. Et le chef de cette domination, c'est Satan lui-même. Avec un cercle rapproché, une ceinture rapprochée autour de lui, d'anges déchus qui ont reçu le pouvoir de dominer et d'occuper les territoires stratégiques du monde entier. Il y a des territoires stratégiques. Par exemple, physiquement parlant, nous savons que les États-Unis sont la première puissance mondiale sur le plan militaire. Et jusqu'à un certain niveau, à un certain moment, autant pour moi, ils étaient également la première puissance économique. Avant que la Chine ne prenne la première place des trônes, la Chine est devenue la première puissance mondiale économique. Et nous savons que dans cette organisation, en dehors des États-Unis, il y a d'autres nations qui gouvernent le monde. Et ces nations, parmi lesquelles, bien entendu, la France en fait partie, qu'on appelle les grandes puissances mondiales. Les grandes puissances mondiales, ce n'est pas seulement le G20. Mais dans le G20, il y a un cercle de 5 nations. Mais qui sont l'Apocalypse, où les prophéties des temps de la fin, va s'étendre à 12 nations, quand vous lisez Daniel. Le but, c'est d'arriver à 12 nations. Et ces 12 nations, en fait, vont représenter les puissances qui gouvernent le monde. Et ces 12 nations existent déjà. Ce n'est qu'une question de formalisation et de révélation sur le plan purement matériel, sur le plan purement politique, sur le plan purement, médiatique. Mais elles existent déjà, elles agissent. Parmi lesquelles, il y a la Russie. Et je vais vous dire que ces nations qui sont en fait de grandes puissances ne sont pas grandes puissances seulement sur le plan politique. Cette position ou ce positionnement-là est d'abord avant tout un positionnement spirituel. Parce que dans ces nations, il y a des pouvoirs occultes, des pouvoirs spirituels
qui travaille comme une ceinture rapprochée auprès de Satan et qui joue un rôle de domination sur toutes les nations dans le monde entier. C'est eux qui décident. C'est eux qui décident des courants qui doivent être véhiculés, que ce soit les courants philosophiques, les courants politiques, les courants scientifiques. Et cette élite spirituelle et satanique est en fait gouvernée par un cercle rapproché autour de Satan qu'on appelle les Illuminati. C'est eux qui gouvernent le monde. C'est eux qui décident des programmes stratégiques du monde. Les dominations se situent à ce niveau, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Et quand vous voyez ces présidents qui sont établis, en fait, ces présidents ne sont que des porte-parole de des personnes qu'ils ont établies. C'est pour cela que quand vous voyez les élections présidentielles, faut pas vous fier, s'il vous plaît, à ce qui se passe au niveau des médias. Ne vous fiez pas à ce qui se passe au niveau des urnes ou encore des bulletins de vote. Non. Quand vous allez voter là, votre voix, elle compte, c'est sûr, mais votre voix est coefficiée. Votre voix est coefficiée. Et le coefficient de votre voix ne pèse pas plus lourd que le coefficient de la voix d'un occulte qui est placé en position de domination en tant qu'illuminati. Oui, je vous dis ces choses, c'est la réalité. Le monde des ténèbres est organisé et le monde dans lequel nous sommes physiques est sous le pouvoir du malin. C'est lui qui décide qui va mettre. C'est pour cela que je vous dis que ne cherchez pas le règne de la terre. À moins que de façon stratégique, Dieu, à travers l'Église, renverse et établisse les rois. Et ça, c'est possible aussi. Ce qui s'est passé, par exemple, aux États-Unis, récemment, les gens n'ont rien compris ce qui s'est passé. En fait, Barack Obama est un Illuminati. Hillary Clinton, elle est Illuminati. Et les Illuminati ont régné pendant longtemps aux États-Unis, comme partout dans le monde, même ici en France. Ils ont dominé. Mais comme les États-Unis, c'est la porte du monde, tout ce qui entre par là, c'est reprendre le monde entier. Lorsque les prophètes ont commencé à voir que Hillary Clinton devait être établie présidente, en fait, ce que les prophètes ont vu, c'est le plan de Satan qui était en route pour établir Hillary Clinton présidente. Vous devez savoir que lorsqu'un prophète regarde le monde spirituel, il peut voir deux choses dans deux dimensions. Il peut voir soit le plan de Dieu ou il peut voir le plan du diable pour quelqu'un, pour une église, pour une institution, pour une nation ou pour un système. Et tous les prophètes qui ont prophétisé en disant qu'Hillary Clinton sera présidente ont vu dans l'esprit le plan qui était mis en route par les Illuminati pour repositionner une personne, une de leurs, afin de perpétuer le système. Et lorsque le peuple de Dieu, les intercesseurs du monde entier, des réseaux d'intercession du monde entier ont été alertés par ces prophéties, ils ont consulté Dieu et ils ont demandé à Dieu que les ténèbres ne règnent plus à jamais sur les États-Unis. Alors, ils se sont mis à prier de sorte que la tendance soit renversée, de sorte à amener le règne de Christ dans la nation. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là qu'on doit régner. On doit amener l'influence du ciel sur la terre. Et des milliers de personnes, des réseaux d'intercession dans le monde entier se sont mis en prière, dans le jeûne et la prière, pour inverser la tendance, les données. Et Dieu les a exaucés. Il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, j'effacerai non seulement son péché, mais je guérirai aussi son pays. Donc l'état de santé du pays dépend de l'attitude du peuple de Dieu. L'état de santé des nations dépend des prières du peuple de Dieu. L'état de santé d'une nation dépend en fait de notre intercession. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, non seulement j'effacerai son péché,
je vais régler nos problèmes entre nous, en famille, mais aussi je guérirai son pays. La paix d'une nation dépend aussi de nos prières. Vous comprenez cela? Donc, nous pouvons influencer une élection présidentielle. Nous pouvons influencer un système. Nous pouvons influencer les données démographiques, les données politiques, les données géographiques, les données historiques, scientifiques, à travers nos prières. Nous pouvons influencer. C'est ça le pouvoir que Dieu nous a donné. C'est ça l'influence. C'est ça la puissance que Dieu a donnée à l'Église. À travers l'Église, le monde, le gouvernement, les dominations connaîtront la sagesse infiniment variée de Christ. Et cet homme, Donald Trump, qui en réalité n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards et qui avait tout un caractère bien, mais vraiment un caractère bien ficelé pour repousser tous les votes, parce qu'en réalité, ce n'est pas un homme d'un caractère qui pouvait être présidentiable. Alors que les gens ont prié, Dieu a trouvé en lui la personne. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il s'est opposé à des valeurs que les Illuminati voulaient mettre en place ou perpétuer, on dirait mis en place pour les perpétuer dans la nation la plus grande puissance mondiale. L'avortement. L'homosexualité. Et bien d'autres. Et Dieu a agi par rapport aussi à son plan, non seulement pour les nations, mais aussi par rapport à son plan en ce qui concerne les prophéties des temps de la fin. Et pour ceux qui lisent Daniel, Apocalypse, et qui étudient les prophéties des temps de la fin, et qui sont connectés à l'actualité céleste des temps de la fin, comprennent clairement ce que je suis en train de dire. Donc Dieu a inversé une domination qui était là, qui gouvernait une nation et le monde entier. Et cela annonce quelque chose de très, très intéressant. C'est que nous pouvons le faire aussi en France. Oui, nous pouvons influencer l'élection présidentielle en France. Mais pour cela, il faut avoir un mandat d'intercesseur. Il faut avoir un mandat de personnes qui ont reçu cette onction pour renverser les trônes, les dominations. Après les dominations, vous avez les autorités. Les autorités, ce sont les gens qui sont établis dans les nations. Les dominations gouvernent le monde entier et les autorités gouvernent les pays. Par exemple, un gouvernement, ce sont les autorités. On dit prier pour les autorités. Mais derrière ces autorités humaines, il y a ce qu'on appelle les autorités spirituelles sataniques qui, en fait, sont derrière. Donc, le royaume de Satan est organisé de telle sorte que, en fait, ce que nous voyons sur le plan visible n'est que la matérialisation de ce qui est sur le plan spirituel. Parce que le monde entier est sous le pouvoir de Satan. Les lois qui sont votées même sont inspirées par le monde des ténèbres, pour la plupart. J'ai appris que, par exemple, la loi sur l'avortement était une inspiration de la franc-maçonnerie. Les dominations, les autorités, sont les deux premières hiérarchies de l'organisation satanique dans le monde. Après, vous avez les principautés. Les principautés, elles gouvernent les villes. Et vous avez les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est les petits frétins des démons. Vous savez, quand vous dites que Satan m'attaque, ce n'est pas Satan en personne qui t'attaque. Satan n'a pas le temps de venir t'attaquer, toi, bébé spirituel, qui s'est converti hier, comme on dit. Satan a autre chose, a des dossiers plus stratégiques et plus importants pour lui à régler. Satan, il est concerné par ce qui, voilà, les élections, par exemple. Il est concerné par les systèmes, le gouvernement. Il est concerné par les nouvelles philosophies à inspirer, les nouvelles sciences à inspirer. Il est concentré sur ça, vous comprenez? Il est concentré. Lui, il est dans les dominations. Il travaille à ce niveau-là, domination, autorité. Mais tu crois que Satan, il va venir s'occuper de ta petite vie? Pour savoir comment tu as dormi et pour t'enlever le sommeil la nuit, te donner le cauchemar, il n'a pas ce temps. Il envoie ses frétins, ses démons frétins, les petits démons-là, qu'on appelle les esprits méchants, dans les lieux célestes. C'est eux qui attaquent les chrétiens. Pourquoi j'ai pris le temps de vous expliquer l'organisation du monde des ténèbres, du royaume des ténèbres?
C'est pour que vous puissiez aujourd'hui comprendre à quel niveau se situe notre combat en tant que chrétien. Si tu es un chrétien, né de nouveau, tu viens à l'église, tu n'as aucune responsabilité à l'église. Vous m'écoutez? Tu es concentré sur ta vie, ta préoccupation, tes projets, c'est « Seigneur, il faut que je réussisse à l'école. Seigneur, il faut que je travaille. Seigneur, je dois me marier. Seigneur, il faut que ma mère soit guérie. Seigneur, il faut que mon frère réussisse. » Tout ça, là, c'est très bien tout ça. C'est la vie normale de l'être humain. Tu n'es encore qu'à ce niveau, mon frère, ma sœur. Sache une chose, Satan n'a pas ton temps. Les dominations n'ont pas ton temps. Les autorités n'ont pas ton temps. Même les principautés n'ont pas ton temps. Ce n'est pas eux qui viendront te combattre. Quand la Bible déclare qu'ils te feront la guerre, là, ils sont nombreux. À ton niveau, à toi, ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes qui viendront te faire la guerre. Maintenant, quand tu commences à prendre le poste de responsabilité, tu as été recommandé pasteur assistant. Tu as été consacré pasteur assistant, autant pour moi. Tu as été recommandé pasteur stagiaire. Tu as été consacré diacre, ancien. Là, tu as déjà un positionnement spirituel. Et à partir de ce moment-là, tu commences à intéresser une hiérarchie supérieure de l'organisation satanique. Tu as été établi diacre, ancien, pasteur, dans une ville, la ville de Mérignac. Tu devras réaliser qu'à partir de ce moment, tu ne seras plus combattu que par les esprits qui combattent ta petite vie chrétienne et ta petite foi, de nouveau converti ou de chrétien de depuis combien d'années. À partir du moment où tu prends un positionnement, une position, tu accèdes à une position spirituelle dans le royaume de Dieu, à partir de ce moment, mon frère et ma sœur, tu vas avoir en face de toi la puissance correspondante dans l'autre monde, le royaume des ténèbres. Tu as été établi sur la ville. Tu auras à affronter les puissances des ténèbres qui gouvernent cette ville. Et les puissances des ténèbres qui gouvernent la ville, ce sont les principautés. Il y a des principautés à Mérignac, il y a des principautés à Bordeaux-Centre, il y a des principautés à Talence, il y a des principautés à Bacalan, il y a des principautés à Lormont, il y a des principautés à Carbon-Blanc, il y a des principautés à Ézine, il y a des principautés partout. Et ces principautés, ils sont établis, hein, il y a des alliances, il y a des hôtels sur chaque nation et sur chaque ville. Et donc, ces principautés-là sont des esprits qui gouvernent la ville sur le plan spirituel et qui sont établis dans des lieux stratégiques. Par exemple, à l'aéroport, à la gare, à des endroits qu'on appelle les portes de la ville. Par exemple, la porte de Bourgogne, il y a une principauté là. L'aéroport de Mérignac, il y a une principauté là. Je peux parler tranquillement? Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Donc, quand tu commences à être présenté dans le monde spirituel comme étant un serviteur de Dieu, dans une ville, sache que tu auras affaire aux puissants des ténèbres qui gouvernent cette ville. Et tu devras les affronter. Tu devras apprendre à les combattre. C'est pour cela qu'on ne consacre pas n'importe qui et n'importe comment. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être pressé de dire « je vais rentrer dans mon appel ». Est-ce que tu es prêt? Tu veux rentrer dans ton ministère? Tu es prêt? Déjà, toi-même, en tant que simple chrétien, tu n'arrives pas encore à combattre et à vaincre les petits frétins, les esprits méchants, là, dans les lieux célestes, là. Tout le temps, un petit truc, tu tombes. Hein? Et tu veux déjà aller affronter les principautés. Parce que le jour où on t'établit ici, on te consacre pasteur, on te consacre, je ne sais pas, évangéliste. Surtout quand on dit « évangéliste des nations ». Mieux vaut encore, frère en Christ, témoin de Christ. Dans l'église. Oh, quelqu'un ici acclame. Alléluia. Donc, tu es encore là. Vous savez, pour que David arrive à vaincre Goliath, il a d'abord fallu qu'il déchire le lion,
qu'il tue l'ours, n'est-ce pas? L'ours et le lion, ce sont les ennemis qui viennent t'attaquer dans l'inconnu, dans l'anonymat. Personne ne te voit. Il est seul avec le troupeau. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de CIV TV, il n'y a pas de multimédia. Ce qui se passe là-bas, personne ne le sait. Il remporte des victoires. C'est ça que Dieu veut faire avec nous. Nous amener d'abord à gagner des batailles, à remporter des victoires dans le secret, dans l'anonymat. Exercer nos mains au combat, nos doigts à la bataille. Quelqu'un me comprend ici? Apprendre à tuer l'ours, apprendre à tuer le lion. C'est-à-dire ce petit péché-là, dans ton secret-là, que toi seul connais, hein, qui te fatigue. Hein, cette petite mauvaise habitude-là, ce problème que tu traînes-là, dans le secret que personne ne sait. C'est ça le lion, c'est ça l'ours. Il faut d'abord commencer à vaincre ça. Pour ça, on n'a pas besoin de crier sur les toits, on n'a pas besoin d'amener une caméra. C'est même pas bon pour toi. Hein, parce que si on amène une caméra... Non, quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Donc règle ça d'abord, oh, acclame Jésus. Règle ça d'abord, bien, bien, bien. Et quand Dieu verra que tu as réglé ça et que tu as vaincu, maintenant il t'amènera sur le champ de bataille. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tout le monde se mette à faire les délivrances, tout le monde se mette à aller faire les intercessions à gauche, à droite, on va prier pour la ville, on va gagner la ville, on va aller dans les endroits stratégiques, on va aller à Tourny, on va aller au Quinconce. Hein? Parce que là-bas aussi, il y a des hôtels, il y a des principautés qui sont établies. Mon frère, finis d'abord avec les frontières des démons-là, qui te fatiguent. Quelqu'un me comprend ici? Oh, acclame Jésus, alléluia. Règle d'abord ce problème. Il faut d'abord vaincre les lions, les ours de ta propre vie, les ennemis de ton secret, avant d'aller affronter Goliath. Parce que Goliath, c'est maintenant une principauté. Goliath, quand tu as vaincu Goliath, Dieu t'ouvre les portes de la royauté, en fait. Quelqu'un me comprend ici? Ah. Mais si tu veux déjà être établi, prophète des nations, sache que tu sautes les étapes. Tu n'as pas fini avec les esprits méchants dans les lieux célestes. Hein? Automatiquement, tu as affronté les principautés de la ville. Mais comme tu as dit prophète des nations, tu vas aussi avoir affaire aux autorités et même aux dominations. Mon frère, là, on peut faire onction d'huile. Tout. Mon frère, tu as cherché, tu as trouvé. Sérieux. Lorsqu'on établit quelqu'un dans l'église locale, il a affaire au monde des ténèbres qui régit l'environnement de cette église locale. Lorsqu'on établit quelqu'un sur une nation prophète en France, tu as affaire aux autorités qui gouvernent la France, sur le plan spirituel. Maintenant, lorsqu'on t'établit sur les nations, tu as affaire aux dominations et aux autorités. Permets-moi, s'il te plaît, de te parler juste du premier niveau, là, le plus bas. Parce que la plupart d'entre nous, les 80% de l'Église de Christ aujourd'hui, on est à ce niveau encore. Et Dieu me fera la grâce, peut-être lors des classes de l'école de délivrance, de rentrer maintenant dans les choses qui concernent vraiment le niveau plus haut. Lorsque les esprits méchants, donc la plus basse classe du monde des ténèbres, attaquent les chrétiens, vous combattent, ils vous font la guerre, ils utilisent plusieurs stratégies. Ils vous attaquent de plusieurs manières. Premièrement, par les oppressions. Deuxièmement, par les tentations. Troisièmement, ils vont parfois avoir recours à des addictions. Les addictions sont les liens, les alliances, les dépendances. Et parfois, ils vont avoir recours à des malédictions. Ils utilisent aussi ce qu'on appelle les réclamations. Et ils peuvent aller plus loin, jusqu'à s'installer dans le corps de quelqu'un. Lorsque des esprits s'installent dans le corps d'un chrétien, on appelle ça une habitation. Lorsqu'ils s'installent dans la vie d'un croyant, ils investissent la vie d'un non-croyant, autant pour moi, d'un non-chrétien, on appelle ça une possession. Donc vous comprenez qu'il y a une nuance entre la possession et l'habitation. La possession se fait dans l'esprit et l'habitation dans le corps. Un chrétien né de nouveau, on précise, normalement un chrétien, il est déjà de nouveau, mais bon, aujourd'hui on ne sait plus qui est chrétien, qui n'est pas chrétien.
Donc, on est obligé de le préciser. Un chrétien né de nouveau ne peut plus être possédé. Donc, il n'est pas concerné par la possession. Par contre, il peut être habité. Comment donc vaincre chaque niveau? Une oppression. Déjà, comment elle se manifeste? Tu es là, tu sens, tu te lèves le matin. J'ai la flemme. Je n'ai pas envie de ceci, je n'ai pas envie de cela. Tu sens, d'autres disent, non, voilà, ce sont les hormones qui se déplacent dans le corps. Ça, c'est l'explication scientifique, en fait. La vérité, c'est qu'en fait, sur le plan spirituel, il y a une coalition d'esprits méchants dans les lieux célestes qui veulent te pourrir la journée, qui veulent te pourrir la vie durant la journée et qui t'oppressent de l'extérieur de façon à te rendre la journée difficile, les nuits difficiles. Et tu ressens cela dans ton corps par des sensations bizarres et des sentiments bizarres. Tu es là, tu me dis, j'ai pas envie de ceci. Des fois, tu t'énerves, tu es irrité pour rien, tu commences à t'énerver contre tes enfants. Mais c'est pas possible. La femme, le mari, tu es sous tension. En fait, tu es oppressé. Et parfois, l'oppression peut venir à travers les préoccupations de la journée, les charges de la journée, le travail. Le peuple d'Israël, en Égypte, la Bible déclare que le diable a inspiré, il nous enseigne que le diable a inspiré à Pharaon une loi. Il leur a dit, donnons-leur encore plus de travail afin qu'ils oublient leur Dieu. Le but du diable, de l'organisation satanique, des démons, des esprits méchants dans les lieux célestes, en vous oppressant, est de vous faire oublier votre Dieu, de vous déconnecter de Dieu, de vous empêcher de prier, de vous empêcher de lire la parole, de vous empêcher de venir à l'église, de vous empêcher de faire les choses que Dieu vous demande de faire. Vous êtes tellement oppressé que, en fait, vous êtes acculé. Du coup, vous n'avez plus envie, vous perdez envie, vous perdez le zèle, vous perdez l'engouement. Vous comprenez cela, hein? L'oppression agit de telle sorte que vous perdez même vos bonnes valeurs, vos bons sens sur l'instant. Vous faites des choses que vous n'avez pas envie de faire, que vous regrettez après, parce qu'en réalité, vous étiez comme sous influence, vous étiez comme sous contrôle. C'est ça l'oppression. Ça ne se passe pas à l'intérieur de vous, ça se passe à l'extérieur de vous. Mais vous le ressentez sur votre corps, vous le ressentez aussi à l'intérieur de vous, parce que vos pensées sont perturbées, vous avez des mauvaises pensées, vous êtes oppressé dans les... Quelqu'un est oppressé dans des pensées, par exemple. Tu es oppressé dans les pensées, tu as des mauvaises pensées tout le temps. Les pensées de suicide, les pensées de convoitise, les pensées, tu es oppressé. Des fois, mais c'est pas possible, je chasse au nom de Jésus le sang de Christ. Mais pourtant, tu es toujours oppressé. Ça se passe à l'extérieur de toi, mais tu le ressens à l'intérieur de toi. Ce sont les esprits méchants qui t'oppressent. Pareil pour les tentations. Si l'oppression vient dans l'atmosphère, la tentation, elle vient dans les émotions, dans les sentiments, dans les pensées. C'est-à-dire que, d'ailleurs, Jésus le dit, il dit que personne ne dise que lorsqu'il est tenté, que c'est Dieu qui le tente, car chacun de nous est tenté et amorcé par sa propre convoitise. On est dans Jacques, ce n'est pas Jésus qui le dit, c'est Jacques. Jacques chapitre 1, à partir du verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne tente personne, et lui-même, il n'est pas tenté par le mal, mais chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc, les esprits méchants vont utiliser ce qui est à l'intérieur de toi, ce que tu aimes, ou ce que tu aimais. Si par exemple, tu aimais la cigarette, il va te tenter là-dessus. Tu mets la boisson, si tu mets les femmes, les hommes, c'est là qu'il va venir. Il va venir essayer d'activer cette chose qui est à l'intérieur de toi. C'est pourquoi Jésus disait, le prince de ce monde vient à moi, mais il n'a rien en moi. Donc, le diable, s'il trouve quelque chose, quand je dis le diable, vous comprenez, c'est le monde des ténèbres, mais ce n'est pas le diable qui va venir, franchement. Il n'a pas le temps de venir te tenter sur la convoitise. Il a d'autres choses à régler, vous comprenez? Voilà. Donc, les esprits méchants là, qui vont t'attaquer, là, ils vont te tenter, là, ils vont utiliser ce que tu as à l'intérieur de toi, la convoitise. Non, c'est pour ça qu'il faut déjà que toi-même, tu fasses un travail pour te libérer de ces choses-là, pour crucifier la chair avec ses désirs. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas tellement pratiquer la chose que la chose va se transformer en lien. Ça deviendra une addiction. De l'oppression, tu es passé à la tentation. De la tentation, tu es passé à l'addiction. Et quand l'addiction est bien établie, tu pratiques. La Bible est claire, Deutéronome 28, si tu pratiques le mal, tu désobéis à l'Éternel, voici les malédictions qui vont en découler. Voilà comment beaucoup de personnes s'exposent à la disgrâce
et se chopent de malédictions à travers les choses qu'ils pratiquent régulièrement, qui sont contraires aux lois établies par Dieu, et du coup, ils s'exposent à la malédiction. Un chrétien peut-il être sous la malédiction? Oui. Est-il libéré de la malédiction? Oui. Mais il peut se choper d'autres malédictions parce qu'il enfreint aux lois établies par Dieu et il désobéit régulièrement à ces lois. La loi est comme un couteau à double tranchant. Ça coupe d'un côté comme de l'autre. Tu obéis, elle te bénit. Tu désobéis, elle te maudit. En fait, ce n'est pas Dieu qui maudit. C'est la loi elle-même qui te maudit. Et c'est toi-même qui t'exposes à la malédiction de la loi. La loi a-t-elle été abolie? Non, la loi n'a jamais été abolie. Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu pour la compléter, l'accomplir. Et je comprends pourquoi tu ne dis pas « Amen » et que tu n'acclames pas Jésus. Et lorsque quelqu'un est maintenant dans cet état, le diable a un droit légal. Quand je dis le diable, vous comprenez, c'est le monde des ténèbres. Les esprits ont un droit légal de réclamation. Ils peuvent réclamer. Tu as une maison neuve, oui, nouvelle création. Ta maison est peut-être meublée. Tu as enseigné, tu reçois la parole tous les jours, oui. Mais à l'intérieur de cette belle maison toute neuve, il existe quelque chose qui appartient au monde des ténèbres. Alors le monde des ténèbres a un droit de réclamation. C'est pour cela que Jésus dit à Pierre, « Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme on crible le froment. Mais j'ai prié pour toi. » Quand vous voyez quelqu'un qui a beaucoup de réclamations, la solution, c'est la prière. Trop de réclamations. Réclamations dans le domaine du mariage, réclamations au niveau du travail, réclamations partout. Tout est bloqué. Ça, il n'avance pas. On prie, on fait bain d'huile. Réclamation, réclamation. Il faut faire asseoir la personne. Mon frère, dis-moi d'abord, qu'est-ce qui se passe? On fait la checklist là. Ça a commencé comment? Des oppressions, après les tentations, je me suis retrouvé dedans. Je pratiquais, j'aimais, et du coup, lié. Et comme j'étais lié, je ne pouvais pas m'en défaire. Et tous les jours, je faisais la même chose. Et du coup, ah, ma soeur, donc tout le temps maintenant, tu fais ta fornication. Oui, mais je ne pouvais plus. Ça devenait plus fort que moi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, après, j'avais des enfants. Et tu faisais quoi? J'avortais. Mais ne sois pas étonné qu'aujourd'hui, maintenant, tu as du mal à avoir des enfants. Parce que la malédiction s'est installée. Tu as tellement fait. Et après, tu as avorté. En plus, en tant que chrétien déjà, tu comprends un peu ce qui se passe là? Je pourrais prendre autant d'exemples sur plusieurs domaines, mais c'est juste que je suis en train de vous donner des enseignements. Mon but n'est pas d'étaler tous les exemples. Mais l'Esprit de Dieu vous parle, chacun pour sa part, dans sa situation. Et lorsque les réclamations sont perpétuelles et répétitives, il y a un risque d'habitation dans le corps de la personne. Donc le démon prend possession de son corps. Rapidement pour terminer, accorde-moi juste 5 minutes, on va terminer. Je vais vous donner les solutions. Parce que là, je vous ai parlé du monde des ténèbres qui est parallèle au monde de lumière, comment le monde des ténèbres est organisé, maintenant comment ils agissent. Mais il faut qu'on sache maintenant, nous, comment les combattre et les vaincre. Jésus Christ à la croix a tout accompli, on l'a vu mardi, d'accord. Mais comment moi je peux matérialiser ça concrètement dans la vie de tous les jours, cette victoire-là, comment je peux la matérialiser concrètement? La première chose, le premier principe se trouve dans Hébreux, chapitre 12, verset 1. Il faut noter les versets parce que je vais aller un peu vite compte tenu du temps. Hébreux, chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il dit que nous sommes environnés, dites environnés, d'une si grande nuée de témoins. Ces témoins sont les anges en fait. Il y a plusieurs anges autour de nous. Il y a les anges du monde de Dieu et les anges du monde de Satan. Et les anges du royaume des cieux et les anges du royaume de Satan. Le monde du royaume des lumières d'un côté et le monde du royaume des ténèbres de l'autre. Et nous sommes environnés comme ça tous les jours. Quand tu marches là, même quand tu fais quelque chose, dans un endroit où personne ne te voit, tu es tout seul. Réellement, il n'y a aucun être humain qui t'a vu. Tu as fait, tu es tranquille, tu es même en paix. Et tu rentres à la maison en joie parce que ta femme n'a rien vu.
Comme cet homme qui disait que chaque fois qu'il trompait sa femme, il était en joie. En fait, je précise, chaque fois qu'il trompait sa femme et que sa femme ne le savait pas, il était en joie. Sa joie, c'était le fait qu'elle n'a pas de couvert. Sache une chose, même dans un contexte où tu es un noir, habillé en noir, dans un monde noir, dans une pièce noire, sur une pierre noire, je ne sais pas comment tu t'es arrangé, Dieu te voit et les démons aussi te voient. Les esprits méchants te voient. Tu seras surpris le jour où ça va sortir. Tu dis, mais c'est bizarre, personne. Je me suis confié à personne pourtant. Mon frère, tu n'as jamais entendu cet adage qui dit les murs ont des oreilles. C'est le mur là-même sur lequel tu t'es adossé là, qui a tout entendu. Tu ne me crois pas? Les murs ont des oreilles. Ce n'est pas juste un adage, c'est la réalité. Les murs ont des oreilles. Ce n'est pas juste une phrase comme ça, c'est sérieux. La nature, les éléments de la nature ont des oreilles, ont des yeux, ont des mains. N'avez-vous jamais lu dans la parole de Dieu qu'il est écrit que les arbres, les champs battent les mains? N'avez-vous jamais lu dans la parole de Dieu qu'il est écrit que Jésus a parlé à un arbre et l'arbre a entendu, l'arbre a obéi? Ça veut dire que l'arbre a des oreilles. Oh, acclame Jésus. Alléluia. Fais comme ça. Alléluia. C'était l'arbre sur lequel tu t'es caché là pour aller voir la petite copine là avec laquelle tu trompes ta femme là. C'est même l'arbre là qui a tout entendu. Et l'arbre a raconté. Les esprits qui sont derrière l'arbre là ont pris l'affaire et ont amplifié dans les médias spirituels. Et c'est sorti. Ah, ça sort toujours. Oh, quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc la solution c'est quoi? Il faut se créer un environnement. Dites un environnement sain autour de soi. Il faut se créer un environnement sain. La solution c'est quoi? Quand tu es conscient que tu es environné d'une si grande nuée de témoins, crée une atmosphère. Crée l'atmosphère du ciel autour de toi. Crée l'atmosphère de la présence de Dieu autour de toi. Fais en sorte que ton environnement soit assaini. De sorte que tout lieu où foulera la plante de ton pied, que ce soit à l'école, à l'université, au travail, quelles que soient les choses qui sont dans cet environnement, les esprits méchants qui agissent dans l'air, dans cet endroit, dans ce territoire, tu ne sois pas affecté. Dans le même lieu de travail, dans le même endroit, les gens sentent qu'il y a un climat bizarre. Il y a un climat de tristesse. Il y a un climat un peu sinistre. Il y a un climat bizarre. Tu ne sens pas ça? Tu dis, mais quoi? C'est bizarre, je sens... Non, je me sens bien, moi. Je trouve même qu'il fait beau vivre ici. Oh, il y a quelqu'un ici, acclame Jésus. Parce que tu as su te créer un environnement sain. Tu entres dans un lieu, un territoire où il y a de la sorcellerie, où il y a des choses bizarres. Les gens le ressentent. Les gens vivent des choses dans leur corps. Toi, tu es tranquille. Pourquoi? Parce que tu es dans ce monde physique, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es dans un autre monde. Donc, tu es dans un environnement, dans un autre environnement. Quelqu'un me comprend ici? En fait, tu dois comprendre une chose. Lorsque tu vas dans un endroit, en tant que chrétien, tu transportes avec toi une présence. Et tu dois transporter cette présence partout où tu vas, à l'école, au travail. Et tu dois être dans cette présence, vivre dans cet environnement, dans la présence de Dieu de façon permanente, pour que quel que soit le lieu, même s'il est hanté, toi, tu ne sois pas impacté. Et c'est quoi la solution pour créer cette atmosphère? Il dit bien, c'est pourquoi rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Cet environnement est caractérisé par les anges. Or, il est écrit que les anges sont des esprits au service de ceux qui hériteront du salut.
Donc les anges sont à notre service et ils attendent que nous puissions leur donner des ordres. Quand quelqu'un est à ton service, tu lui donnes des ordres, n'est-ce pas? Et vous devez savoir que les anges réagissent à certaines choses. Ils réagissent au péché, ils réagissent aussi à la sainteté. Lorsque tu es dans le péché, les anges se retirent parce qu'ils ne pardonnent pas notre péché. Par contre, lorsque nous sommes dans la sanctification, les anges sont attirés et ils ont envie d'être avec nous, en notre compagnie. Et ils se sentent bien en notre compagnie parce que nous sommes dans la sanctification. Nous avons créé une atmosphère, un environnement qui leur sied. Les anges aussi sont choqués parfois par les paroles qu'ils entendent et qui sortent de nos bouches. La Bible nous dit que les anges peuvent être scandalisés. Donc, quand tu parles et que tu prononces des paroles qui ne sont pas alignées à la parole de Dieu, les anges sont choqués parce que les anges se disent, mais c'est un enfant de Dieu, c'est un fils du royaume, comment peut-il parler un langage qui n'est pas le langage du royaume? Par contre, quand tu parles un langage du royaume, les anges sont intéressés et le langage du royaume met les anges en mouvement. Et c'est quoi le langage du royaume? Premièrement, le parler en langue. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc celui qui parle en langue, par le Saint-Esprit, peut parler une langue des hommes, intelligible, comme à la Pentecôte, ils ont entendu clairement des langues que les apôtres ont parlé, c'était les langues de leur langue maternelle. Mais nous pouvons aussi, par le Saint-Esprit, parler les langues des anges. Non, il faut parler le langage du royaume. Il faut parler la langue des anges régulièrement. Et quand tu parles la langue des anges régulièrement, tu mets les anges en mouvement et ils agissent. Le langage du royaume, c'est aussi la parole de Dieu. Il faut parler la parole de Dieu. Il ne faut pas confesser n'importe quoi de ta bouche. Je suis fatigué. J'ai mal à la tête. Je ne me sens pas bien. Je suis blessé. J'ai fait un cauchemar. J'ai vu un serpent. Quand les anges entendent, ça dit, les anges vont supplier Dieu que pardon, enlève-nous d'ici. Envoie-nous chez le prophète Sosthène, ma bonne. Parce que lui, au moins, il a parole de bénédiction. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia! Merci, Seigneur. Non, il faut prier Dieu pour que les anges qu'il a délégués auprès de toi se mettent en action. Parce que Jésus le dit. Il dit qu'il donnera des ordres aux anges, lui. Lorsque on est venu attraper Jésus et que Pierre a sorti l'épée, il a dit, range ton épée. Ne penses-tu pas que je sois capable de prier mon Père afin qu'il m'envoie des milliers, des myriades d'anges pour me secourir? Donc, nous pouvons prier le Père pour qu'il nous envoie des anges. Et dans le même endroit où Jésus a été arrêté, quelques heures avant, il a été tellement oppressé, il a prié. Et la Bible déclare qu'il a prié de telle sorte que même sa sueur s'est transformée en gloumons de sang. Et il était tellement acculé, oppressé, il est écrit qu'un ange est venu pour le fortifier. Quand tu es oppressé, quand tu es attaqué, quand on te fait la guerre, tu peux commander aux anges, tout comme tu peux demander aussi à ton Père de t'envoyer des anges pour te fortifier. Parce qu'en effet, les anges sont des esprits au service de nous, les héritiers du salut. Le salut, c'est la guérison. Le salut, c'est la délivrance. On a vu des anges qui sont intervenus dans la guérison à la piscine de Bethesda. Ils sont venus pour guérir. Et on a vu également des anges qui sont venus pour combattre. Et nous pouvons effectivement aujourd'hui encore bénéficier du service du ministère des anges dans cet environnement où nous sommes environnés, permettez-moi la répétition, d'une si grande nuée de témoins. C'est valable pour les tentations. C'est valable pour toute forme d'attaque, l'intervention des anges. Par contre, pour les liens, les addictions, les anges n'interviennent pas. Tu ne peux pas demander à un ange de venir te libérer d'un péché. La solution, c'est Ésaïe chapitre 58, verset 6. Le vrai jeûne.
Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la servitude, de la méchanceté, de nous les liens de la servitude, renvoie libre. Quand tu pratiques le vrai jeûne régulièrement, par rapport à des domaines qui te lient, on a déjà vu ça ici, c'est quoi le vrai jeûne? Le vrai jeûne, c'est pas seulement je m'abstiens de manger de boire, c'est-à-dire que je dois identifier dans ma vie ce qui constitue un lien de servitude et quelles sont les alliances, etc., les choses qui me lient à mes ancêtres, qui me lient à des choses de ma famille, qui me lient à des totems, qui me lient à des hôtels, des totems de ma famille, ou des choses qui me lient dans la chair, qui me lient à un péché, qui me lient à une habitude, qui me lient à un comportement, à un tempérament. Je fais ma liste et je rentre dans le jeûne par rapport à ça. Je dis, Seigneur, pendant 21 jours, pendant 40 jours, je m'abstiens de fumer, je m'abstiens de boire l'alcool, je m'abstiens du sexe, je m'abstiens, parce que c'est ça qui me fatigue. Alors je viens ici pour combattre ces choses jusqu'à ce que j'ai la victoire. Et je m'abstiens dans le jeûne et la prière pendant 21 jours, pendant 40 jours. La Bible déclare, si je le fais de tout mon cœur et que je respecte tous les exercices spirituels de la prière, de la lecture de la parole de Dieu, de l'adoration et tout ce que j'ai appris dans les temps de jeûne et de prière, au bout de tel jeûne, le vrai jeûne me libère littéralement des liens de la servitude. Personne ne peut pratiquer un vrai jeûne et sortir de là sans être libéré. Parce que le vrai jeûne libère des liens de la servitude. Les réclamations, on l'a vu tout à l'heure, c'est simple. Trop de réclamations dans ta vie. Vois ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui appartient au diable et qui fait qu'il te réclame? C'est la repentance, le renoncement, l'abandon. De sorte à ce que tu dises comme Jésus, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Tu me diras, mais prophète, mais les habitations ou les possessions? Les possessions, c'est très simple. Accepte Jésus. Si tu es encore possédé, ça veut dire que tu n'es pas encore chrétien. Accepte Jésus. Tu l'acceptes, il vient dans ton esprit. Ce qui est à l'intérieur, ça part. Le même jour, ça part. Souvent, on a attaqué certaines églises qui disent que quand tu te convertis, tu es délivré le même jour. C'est vrai. Oui. Quand tu te convertis, le même jour, tu es délivré automatiquement, mais dans l'esprit. Pas forcément dans le corps. C'est ça qu'il faut faire la différence. Et je termine avec ça. Maintenant, si je suis habité dans mon corps, je fais comment? C'est simple aussi. Enfin, ce matin, j'aimerais vraiment vous présenter l'évangile de façon simple, le salut de façon simple, la délivrance de façon simple, parce que c'est réellement simple. C'est pas aussi compliqué qu'on le complique. Il y a tellement de techniques, tellement de choses qu'on a mis en place pour être délivré. C'est tellement simple. Premièrement, ne t'attaque pas aux principautés. Laisse les là-bas. Ce n'est pas encore à ton niveau. Laisse les autorités. Laisse les dominations. Ce n'est pas encore à ton niveau. Concentre-toi sur ton niveau à toi. Les esprits méchants, c'est là la vraie bataille pour toi à l'instant. Tu as habité? Un Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Un Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voici la clé. Glorifiez Dieu dans votre corps. En d'autres termes, amenez la gloire de Dieu dans votre corps. C'est ça, glorifier Dieu. Glorifier Dieu, c'est pas dire, Seigneur, je te glorifie avec mon corps. Ça, c'est la bouche. Glorifier là, c'est gloire. Glorifier Dieu dans ton corps, c'est amener la gloire de Dieu dans ton corps. Amener la gloire Shekinah de Dieu. Amener la gloire Kabot dans ton corps. Si la gloire Shekinah de Dieu investit ton corps et recouvre ton corps comme les eaux couvrent les fonds de mer, il n'y aura aucune place pour un quelconque démon, aucune place pour un quelconque esprit, aucune place pour un quelconque esprit méchant, aucune place pour un quelconque esprit de maladie, aucune place pour un quelconque esprit de débauche, aucune place pour un quelconque esprit d'impudicité, aucune place pour une quelconque douleur,
aucune place pour quoi que ce soit, parce que la gloire de Dieu remplit ton corps et recouvre ton corps dans toutes les parties de ton corps, les cellules, les vaisseaux et tous les vaisseaux sanguins, les globules. Le sang de Jésus est là, la gloire de Dieu est là, et la Bible déclare que rien ne peut résister aux aiguilles du Saint-Esprit, parce que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite dans ton corps. Alors le même esprit, le Saint-Esprit, donnera aussi la vie à ton corps mortel. Oui, acclame, 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 acclame. Alléluia, lève-toi là, là où tu es, lève-toi là où tu es, lève-toi. Aucune puissance, aucune domination ne peut résister dans le corps d'un enfant de Dieu en qui le Saint-Esprit habite et que la gloire de Dieu a investi. Il n'y a pas d'autre secret. Parce que si tu ne pratiques pas ces choses, on peut toujours dire au nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant, c'est vrai. Le sang de Jésus est puissant, c'est vrai. On va te faire onction d'huile. L'onction d'huile agit, c'est vrai. On va te faire prophétie. Les prophéties, c'est bon aussi, c'est vrai. Mais ce ne sont pas les armes qui sont appropriées pour toi. Parce que ça agit à l'instant où je le fais. Mais quand tu sors d'ici, tant que tu es ici, tu te sens libéré. Quand tu sors d'ici, depuis la porte, du lundi au dimanche prochain, tu es seul dans ta maison, dans ton quartier, face aux esprits méchants. Comment tu vas les combattre et comment tu vas les vaincre? C'est en appliquant ça. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Et l'apôtre Paul résume ça en parlant des armes spirituelles. Le casque du salut contre les oppressions. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu pour proclamer la parole, pour parler le langage du royaume, etc. La cuirasse de la justice. Il résume ça, mais en fait, il a raison. Il n'y a pas d'autres clés, il n'y a pas d'autres armes. Il dit les armes avec lesquelles vous combattez ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons tout raisonnement hautain et toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de Christ et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voyez-vous, l'apôtre Paul, il avait déjà tout compris et il a tout résumé dans Éphésiens chapitre 6. Il dit, les armes spirituelles, vous comprenez cela? Et chaque arme spirituelle est valable quel que soit le niveau. Quand tu vas arriver au niveau des principautés, tu vas appliquer les mêmes armes spirituelles à ton niveau, à toi. Quand tu vas arriver au niveau des autorités, tu vas appliquer les mêmes armes spirituelles. Quand tu vas au niveau de domination, pareil. Sauf que la différence, c'est qu'en ce moment-là, c'est au niveau maintenant de chaque fonction et chaque position. Et en fonction de ta maturité spirituelle, en fonction de ta croissance spirituelle, Dieu ne t'exposera jamais. Écoute-moi bien. Dieu ne t'exposera jamais à un combat qui soit au-delà de tes forces. Dieu est trop bon. Il est bon, il ne peut pas t'exposer à un combat qui soit au-delà de tes forces. Sauf si toi-même, tu vas t'exposer à des combats qui sont au-delà de tes forces, qui sont au-delà de ta maturité spirituelle, qui sont au-delà de tes compétences spirituelles. Mais si tu es sage et que tu marches sur la parole de Dieu, tous les combats que tu vas mener sont à ta portée. Aïe, 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 aïe. Tous les combats que tu mènes aujourd'hui sont à ta portée. Tous les combats que tu mènes aujourd'hui, non seulement ils sont à ta portée, mais tu as aussi été équipé pour ça. Il ne t'a pas laissé sans équipement. Tu as l'onction pour ça. Tu comprends? Tu as l'onction pour ça. Si tu veux être une mère, rassure-toi que tu as l'onction pour être mère. En autre, sois sûr que tu es prête à être mère. Sinon, ne fais pas encore un enfant. Tu vas avoir la tension après. Tu vas crier à gauche, à droite. Il faut aller voir maman Fanny Cruz pour t'imposer les mains. Elle a l'onction des bébés, elle. Mais quand tu es prêt, tu fais un enfant, tu t'es préparé. C'est un bonheur, c'est une joie, n'est-ce pas? Et non une épreuve. C'est pareil dans tout le domaine de la vie. Les charges au quotidien, le travail, partout. Il y a un frère à qui on a donné une promotion pour être directeur régional. Il a refusé. J'ai dit, quoi? Comment tu peux refuser une telle promotion? Il m'a dit, je n'étais pas prêt. J'ai compris après qu'il avait raison. Parce que s'il prenait, nous, êtres humains, on regarde, on se dit, mais c'est beau ça, directeur régional. Tu vois déjà le portefeuille, tu vois déjà l'argent, tu vois déjà, mais le salaire, oh là là, alléluia. Mais il a dit, non, je ne suis pas capable de porter ça.
Permettez-moi, excusez-moi. Je sais que j'ai débordé sur le temps. C'est une révélation que je vais vous faire. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent des épreuves. Écoutez-moi bien. Vivent des épreuves qui ne sont pas en réalité des épreuves. Beaucoup de chrétiens sont dans des épreuves tout simplement parce qu'ils sont allés porter des fardeaux que Dieu ne leur a pas donné de porter. Ils sont allés prendre des responsabilités que Dieu ne leur a pas donné, de prendre des fonctions que Dieu ne leur a pas donné. Pire encore, il y en a qui souffrent, qui ne sont pas dans la joie, qui sont tristes aujourd'hui parce qu'ils aspirent à des choses auxquelles Dieu ne les a pas appelés ou des choses auxquelles Dieu ne les a pas encore appelés. Je répète, beaucoup de personnes aujourd'hui sont perturbées dans la confusion. Ils manquent de joie, ils sont tristes et parce que leurs projets n'aboutissent pas. Parce que la joie aussi, elle fonctionne, l'accomplissement de nos projets. Et tu n'es pas heureux. Je le sais chaque année. Pourquoi? Pourquoi tu veux te marier? Et tu n'as plus de joie parce que tu n'es pas encore marié. Tu veux travailler. Je ne sais pas, tu veux avoir, atteindre un objectif. Tu veux accomplir un projet. Et ta joie n'est pas parfaite. Tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse. Et tu dis, mais Seigneur, jusqu'à quand? Tu attends, tu pries. Et tu dis, Seigneur, agis. Et tu passes un an, deux ans, trois ans avec une joie partielle et même parfois un cœur attristé, tout simplement parce que tu n'as pas reçu l'exaucement. Mais tu ne te poses pas la question, pourquoi Dieu n'exauce pas? Si tu te poses la question, tu la poses à Dieu, certainement Dieu te dira, je ne t'exauce pas parce que ça, ce n'est pas pour toi. Ou bien ce n'est pas encore pour toi. Je connais une sœur, deux mêmes, trois. Elles étaient focalisées, chacune sur un frère. C'est mon mari. Pendant trois ans, trois ans plus tard, le frère s'est marié avec une autre personne. Pendant trois ans, elle a jeûné, elle a prié. Des nuits blanches. Elle a perdu sa joie. Pour rien du tout. Quelqu'un me comprend ici? Le frère s'est marié avec quelqu'un d'autre. Elle aurait pu économiser ces trois années-là à vivre des choses que Dieu a préparées d'avance pour elle, dans la pleine joie, le plein bonheur. Si elle avait renoncé à ces choses auxquelles elle aspirait, elle aurait découvert d'autres choses que Dieu a réservées pour elle. Elle aurait vécu pleinement la joie de Dieu dans ces choses. Est-ce que j'aide quelqu'un ici? Est-ce que j'aide quelqu'un ici? La première délivrance que vous allez vivre aujourd'hui, c'est de vous débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu. Débarrassez-vous de tout ce qui n'est pas de Dieu. Dans vos émotions, dans vos sentiments, dans vos pensées, dans vos projets, dans vos œuvres. Débarrassez-vous ce soir. Faites le ménage. Je fais le ménage. Dans ma vie. Vous allez voir, quand vous faites le ménage, dans votre maison, vous enlevez tout ce qui n'est pas utile. Vous jetez et vous gardez ce qui est utile. La maison est aérée, n'est-ce pas? La pièce est aérée, n'est-ce pas? Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia! Et je prophétise ce matin, je vois des vies qui vont être aérées ce matin. Durant cette semaine, je vois des vies qui vont être aérées au nom de Jésus. Élève ta main, élève ta voix, bénis l'Éternel. Rends grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole que j'ai essayé de transmettre avec mes faibles mots. Mais j'espère avoir aidé quelqu'un, Seigneur. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que Dieu ne nous expose pas à des combats qui soient au-delà de nos capacités, de nos forces. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que Dieu ne nous exposera jamais à des choses qui nous dépassent. Et ne nous appellera jamais à porter des responsabilités, des charges ou des fardeaux qui nous dépasse, qui nous écrase. Alors libérons-nous, débarrassons-nous ce matin de tout ce que Dieu ne nous a pas demandé de porter. Faisons le ménage dans nos vies. Car tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile.
Et je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Et je ne me laisserai point asservir par quoi que ce soit. Je me débarrasse de tout ce qui m'enveloppe si facilement. Je me débarrasse de tout ce qui m'alourdit, qui alourdit ma marche chrétienne. Je me débarrasse de tout ce qui me fatigue. Les fardeaux que Dieu ne m'a pas donné de porter. Je me débarrasse de ces choses, Seigneur. À tous les niveaux de ma vie, Seigneur. Fais le ménage. Aide-moi à faire le ménage. Je veux marcher dans tes voies, sur les sentiers que tu as tracés pour moi, pour pratiquer et accomplir uniquement que les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour moi, afin que je les pratique. Je vais être conduit par le Saint-Esprit dans ces choses. Je vais vivre une vie qui soit conforme à ta volonté parfaite et qui s'aligne à ton plan parfait, le plan divin que tu as pour ma vie. Alors montre-moi, Seigneur, les choses à enlever dans ma maison, dans ma vie, afin que ma vie soit légère, libérée, légère dans le sens d'être libérée, et que j'expérimente la joie du Seigneur durant cette semaine. Car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Merci Père éternel. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.